Allez, aujourd'hui départ pour le Chindoki. En plein brouillard. Alors, c'était prévu plein soleil. On espère que ça va se lever parce que là, pour l'instant, la visibilité... On verra bien. Il y a mieux. Mais enfin, je pense que plus on va monter, plus on ira vers le clair. Je ne sais pas. Allez, on verra bien. Voilà, on sort un peu de la brume et on commence quand même à voir du bon paysage et au-dessus on a du ciel bleu. Voilà. Et où est celui-là ? Voilà. La brume s'est levée. C'est le plein soleil. Et voilà l'objectif du jour, le Chindoki. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas encore. En tout cas, pas par ce côté. Par contre, le cadre est magnifique. Voilà, très belle forêt. Très très belle forêt. Et voilà devant nous le Chindoki. On va me prendre très certainement par la droite, comme je précisais tout à l'heure. Moi, une escalade. Une robe de cuir. Moi, je vais escalader. Et là, par contre, il commence à faire plus que chaud, mais très bon. C'est bon, ça s'est bien levé. Je cherche ma chérie, je ne la vois pas. Allez, go! Oui, Robert, il m'a demandé de filmer. C'est bien, des bons souvenirs. On montrera à nos petits-enfants. Là, voilà Mandy. Qui quand même part bien devant, puis s'arrête un moment à voir où on est. Et regarde qu'est-ce que je fais. Allez. Parfait. Et voilà le chemin qui se décide, qui se dessine devant nous. Alors, pour ceux qui pensent que je me repose en filmant, voyez que j'arrive à filmer tout en marchant. Ils se reconnaîtront. Imposteur.
Allez, fin d'une première partie. Allez, bon appétit. On y va, Mandy. Ah, d'accord. Là-bas, ils vont là-bas, les gens. Oui. Alors, je sais pas si... Non, non, apparemment, c'est le col à gauche. Là, il y a les panneaux, tu vois. Au-dessus des jantes, un panneau directionnel. Non, non, mais il n'y a pas de secret. Toi, tu remontes là. On arrive au col après, là. Ah. Voilà, le Tchingoudi. Tchindoki, pas Tchingoudi. C'est pas la baie. Ah, Cathy m'a induit en erreur encore. Elle a massacré tout. Oui, je suis bernaise, hein. Voilà, un passage tout à fait particulier. Non, non, t'as le chantier devant toi. Et la montée, c'est quelque chose. Si jamais j'oublie la nuit que j'ai passée, guitare et les cris, appelle-moi qui je suis, pourquoi je suis zombie. De côté, nous on est. Tous les arbres apparemment sont en fleurs et la forêt a ses couleurs. Là-bas aussi, une petite ville là-bas. Les premiers roses sur fond bleu ont le parfum. On dirait la trois couronnes. C'est ça? Et la rune à droite? Oui. Un peu de neige est restée. Les éoliennes. Ah, par contre, c'est joli là-bas. Je ne sais pas si on va voir sur le film, mais les Pyrénées là, oh là là, c'est joli.
On arrive. On va aller manger. Viens. Moi j'adore. Allez, on n'a plus que ça à monter et on mange. Voilà, sommet du Chindoki. 1340 mètres. Et au final, assez solide quand même. C'est ce côté gauche, Jean, qui est impressionnant. Tu veux filmer? T'approchant du rocher, là. Oui, il me cassait la figure. Non, non, tu te tiens au rocher, là, regarde. Et tant qu'on a voir l'image, c'est essentiel. Terrible là. Ah, tout à l'heure on est passé là en bas, il y avait le petit village très mignon et une grande église. Oh, là t'as un vide. Près devant toi le lac. Un soir d'orage avant Noël, tu m'as dit qu'il faisait soleil et j'y croyais. Allez, petite pause et on va attaquer. Pourquoi ces fleurs dans le jardin, cette nuit bleue illuminée par les étoiles? Je sens que le printemps revient, mais qu'il ne me sert plus à rien. Malgré le temps, je te revois errer, courir à travers champs. Ce fut mon dernier vrai printemps. Tu t'es endormi pour longtemps, pour trop longtemps. Dans un autre monde très loin, il y a, paraît-il, un jardin. Afrique alors. Et voilà derrière nous. On a pris le chemin du retour, on descend dans un vallon. C'est très joli aussi. Elle a eu très chaud. Il y en a une qui ne perd pas le nord. Alors, pas droit devant, là, on plonge. Hein. Ouais, mais je vais à la gauche parce que c'est rempli de. Oubla. Allez, on va plonger dans ce trou. Alors ici il y a une croix, est-ce que c'est un bon ou un mauvais présage? Ouais, il a dû plonger, oui, il a fait ouais. Arto là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais...
Allez, presque fin de la balade. Encore un petit kilomètre et demi, mais le plus dur est fait. On est sorti d'une forêt, une fois de plus, infernale. Se demander si on allait voir le jour. Bon, on y est, c'est fait. Il est 16h. Nous sommes partis à 11h. On s'est arrêté une demi-heure pour manger. Voilà, à part la descente, c'était super beau. Très très bien. Et encore la descente, une partie de la forêt. Je sais pas si on va le voir. Et après la rando. Et après la rando. Et après la rando. Ah, c'est pas un petit... Qu'est-ce que font les lagos? C'est pas un petit café, hein? Non, mais on le mérite, hein? Ouh. Ils en soient. Comme dit Martine Uka, Martine, oh là là! Ouais, parce que là, on a tapé une lourde quand même. Hein. Non, elle est belle, hein? Très belle. Très, très belle. Ah, ouais, très, très belle, mais bon. Oui, oui. Ne pas mettre dans toutes les pattes.